monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Candy. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des top 5 des produits éclaircissants dangereux pour la santé. Déjà, il faut savoir que les produits éclaircissants sont dangereux pour la peau et la santé. Ces produits-là ont pour but de diminuer la production de mélanine, ce qui rend la peau noire, toute sa tonicité et sa belle couleur. Sans plus tarder, voilà les 5 produits à éviter. En premier, pour ce top 5, on a Karowat. On ne peut pas commencer ce top 5 sans parler de l'inconditionnable Karowat qui est de plus en plus nombreux dans les femmes africaines qui utilisent ce produit-là qui est vraiment dangereux et nocif pour la peau et pour la santé. Il contient de l'hydroquinone et il éclaircit rapidement et au fil du temps qu'on utilise ces produits-là, il laisse une forte odeur corporelle sur le corps, sans parler des vergetures, des boutons. Donc si vous avez ces produits-là, vite, mettez-le à la poubelle. En deuxième position, nous avons le lait éclaircissant BioClair. Sur la notice, c'est marqué sans hydroquinone, mais je suis sûre à 100% qu'il contient autre chose plus dangereux encore pour la santé. Et le risque est d'avoir des plaques sur le corps. Donc, next. En troisième position dans notre classement, on a Rapid Clair. Comme son nom l'indique, Rapid Clair, c'est-à-dire il éclaircit rapidement la peau, mais le risque chimique en raison de sa présence hydroquinone. Alors les mesures prises par les professionnels, c'est que de ne plus utiliser ce produit parce qu'il est nocif et dangereux pour la santé. Il y aura comme conséquence des marbrues sur le corps, des vergetures, des boutons, une odeur corporelle, franchement, c'est nocif pour la santé, voire même le cancer. Donc, si vous avez ce produit-là, jetez-le. En quatrième position, on a Fair White. Fair White, il contient 9,6% d'hydroquinone, substance chimique dangereuse pour la santé et susceptible d'entraîner des lésions de la peau, des vergetures et des marbrures. Quasi-totalité des personnes qui ont utilisé ces produits-là, franchement, c'était des brûlures au niveau des quintaux, au niveau des pieds. C'est-à-dire parce que quand on utilise ce genre de produits-là, il faut savoir qu'il ne prend pas tout le corps en même temps. Parce qu'il y a certaines parties du corps qui sont vraiment très, très dures et ça ne prend pas. Donc, pour éviter tout ce qui est cancer, franchement, évitez ce produit-là. En dernière position pour ce top 5 des produits à éviter qui sont dangereux pour la peau et pour votre santé, on a Macari de Suisse. Franchement, je suis la mieux placée pour pouvoir parler de ce produit-là parce que, je m'explique, j'ai utilisé ce produit-là l'été dernier et mon visage s'est recouvert de boutons. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu de vergetures, mais les boutons, franchement, j'avais toute la face remplie de boutons, c'était vraiment difficile pour moi de sortir de chez moi. Dieu merci pour moi, j'ai plus de boutons. Donc, voilà. Évitez ce produit-là. Peut-être que pour certaines personnes, ça va, mais moi, personnellement, ce n'est pas allé pour moi. Voilà, mes chéris, c'est la fin de ce top 5 des produits à éviter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!